Nous n'avons plus d'adversaire. Les militaires qui ont pris leurs responsabilités pour faire tomber le tyran, nous n'avons pas manqué de les féliciter. Parce qu'ils ont débarrassé la Guinée des régimes qui ne faisaient que diviser notre peuple. La délinquance financière et la corruption, l'enrichissement effréné de l'élite dirigeante au détriment de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Ils se sont enrichis. Ils ont laissé les infrastructures se détériorer. Ils ont continué à diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, la réparation de tout ça revient à l'UFDG. Parce que vous savez, vous êtes à l'UFDG parce que vous aimez la Guinée, vous êtes pour l'égalité des citoyens devant la loi, vous êtes pour une Guinée unie et prospère. Nous n'attendrons pas d'être au pouvoir pour commencer à reconstruire la Guinée, à promouvoir la fraternité, à promouvoir l'unité entre les enfants de ce pays. Ils sont divisés. Nous devons prendre les initiatives, mener des démarches, faire des adhérents d'autres partis, faire tous les militants, tous les citoyens, pour leur expliquer que nous n'avons aucun intérêt à être divisés. Et que l'objectif de l'UFDG, c'est de garantir l'égalité des citoyens devant la loi. Jibinande leydi ni fo wonay darbe darbe tebbe de panama be bonna en ala sen dirde en to inay lam yurmote ko jama wali to jama wonen sabu har hay e ko to tonya sari o wandi ne do ko fala ka sonjade ko wata kon ko yore o sari am o revi du en te pata ko hon to yimi kon no innete kon to jibina haray ki mo dabi ki mo dandi ki mo tibi awa haray ko e fedu wakila de on hali do fono wakilo de ida gindu de do e gulata wote ko e wal lindir fowa wa wote e ala yeta de un kondo du nonger a wote wo se aviti tika wo se tamari kai yo no no kai de hebo rahi do ngandi ko e wal lindir paske de na UFDG ko in famille Je voudrais vous féliciter pour cela. J'étais fier d'être votre président. Je sais qu'Alpha Condé connaissant parfaitement que 95% de la communauté guinéenne résidant au Sénégal vote UFDG, il a décidé de vous priver de ce droit de vote, si bien que vous n'avez pas été recensé et vous n'avez pas voté. Cette fois-ci, grâce à la prière de nos sages, aux sacrifices qui ont été consentis,
Dieu est venu, on dit Dieu ne dort pas. Il l'a prouvé encore le 5 octobre en nous débarrassant du dictateur qui a tué, démoli des maisons, emprisonné des innocents et qui n'a rien fait de positif pour la Guinée. Vous connaissez l'état de nos infrastructures routières, l'état de nos hôpitaux, l'état de nos écoles. Eh bien, le peuple l'a sanctionné dans les urnes, il s'est emparé du pouvoir par la force et Dieu lui a retiré le pouvoir le 5 septembre. Je suis fier parce que Dieu a trouvé l'UFDG debout pour dénoncer la dictature, pour la combattre, les mains nues, mais avec un courage indomptable que le monde entier a reconnu et respecté. Compte tenu de notre détermination dans cette lutte, malgré les exactions, malgré les violences, malgré les gaz lacrymogènes, malgré les théâtres, malgré les nombreux morts, nous sommes restés debout. Nous avons fait face avec courage et détermination. Et FDG Sénégal, chaque fois que tu as parlé avec quelqu'un, ne cédez pas. Vous étiez vraiment mobilisés pour refuser la résignation, pour refuser l'abdication. Et nous avons suivi vos consignes, on est resté debout. Je tiens à vous féliciter pour ce courage. Alors, nous ne sommes plus dans aucune opposition. On n'est opposé plus à rien. On est opposé à la division des Guinéens. Nous devons montrer que le combat que nous avons mené ne visait pas et ne vise pas. Même pas un homme, pas un parti, et moins encore une communauté. Le combat que nous menions, c'est contre l'injustice, contre l'arbitraire, contre les assassinats ciblés, contre des citoyens guinéens, contre l'impunité qui était accordée aux auteurs des crimes. Aujourd'hui, nous devons montrer notre leadership pour rassembler, réconcilier les fils de la Guinée. Pour que nous soyons unis autour des valeurs essentielles. La première valeur, c'est l'acceptation d'être citoyens guinéens, citoyens égaux devant la loi. Et nous devons promouvoir, non pas la division, nous devons promouvoir la réconciliation, le rassemblement, pour que les Guinéens soient de nouveau unis dans une nation solidaire pour faire face aux défis du sous-développement, l'analphabétisme, la malnutrition, les mauvaises routes, le système éducatif en lambeaux, le manque de soins de santé primaire, lutter contre l'administration corrompue, laxiste et incompétente, lutter contre tous les fléaux qui minent notre société et le fonctionnement des institutions. Et l'UFDG, nous sommes la principale force politique de la Guinée. Personne ne peut contester. Je vous ai dit et répété qu'Alpha, l'UFDG, sans la police, la gendarmerie et l'armée, sans la justice inféodée, sans l'administration territoriale à la solde, ne peut pas atteindre l'UFDG à la hanche. Ah oui. Nous sommes là. C'est parce que nous avons un rôle important à jouer. C'est de lutter contre le tribalisme et l'ethnocentrisme. Lutter contre l'injustice pour que la jeunesse de Guinée puisse jouir d'un enseignement de qualité à l'école, pour que l'égalité des chances soit garantie aux Guinéens, l'accès à la fonction publique, l'accès à l'armée, l'accès au marché public doit se faire sur des bases objectives, dans le cadre d'une compétition saine.
C'est ça aussi l'égalité des chances. Il faut que les jeunes guinéens puissent bénéficier d'un enseignement de qualité parce qu'ils sont intelligents. Aujourd'hui, malheureusement, notre système éducatif est à l'abandon. Alors, nous n'avons plus d'adversaires. Les militaires qui ont pris la responsabilité pour faire tomber le tyran, nous n'avons pas manqué de les féliciter. Parce qu'ils ont débarrassé la Guinée d'un régime qui ne faisait que diviser notre peuple. La délinquance financière et la corruption, l'enrichissement effréné de l'élite dirigeante au détriment de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Ils se sont enrichis. Ils ont laissé les infrastructures se détériorer. Ils ont continué à diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, la réparation de tout ça revient à l'UFDG. Parce que vous savez, vous êtes à l'UFDG parce que vous aimez la Guinée, vous êtes pour l'égalité des citoyens devant la loi, vous êtes pour une Guinée unie et prospère. Nous n'attendrons pas d'être au pouvoir pour commencer à reconstruire la Guinée, à promouvoir la fraternité, à promouvoir l'unité entre les enfants de ce pays. Ils sont divisés. Nous devons prendre les initiatives, mener des démarches, faire des adhérents d'autres partis, faire tous les militants, tous les citoyens, pour leur expliquer que nous n'avons aucun intérêt à être divisés. Et que l'objectif de l'UFDG, c'est de garantir l'égalité des citoyens devant la loi. Jibinande leydi ni fo wonay darbe tedde panama be bonna en ala sen dirde en to inay lam yurmote ko jama woli to jama wonen sabu har hay e ko to tonya sari o wandi ne do ko fala ka sonjade ko watta kon ko yore o sari am o revi du en te pata ko hon to yimi kon no innete kon to jibina araitimo dati, timo dandi, timo tibi.